Le samedi 9 avril 2022, cela fait exactement un an que le prince Philippe est mort. L'époux de la reine Elisabeth II d'Angleterre, 95 ans, s'est éteint à l'âge de 99 ans, le 9 avril 2021. Pour commémorer la mort du duc d'Édimbourg, la famille royale britannique a partagé un poème sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un poème mélancolique écrit par le poète et lauréat anglais Simon Armitage. Sur le compte Twitter The Royal Family, on peut lire en intitulé, en souvenir de Son Altesse Royale le Duc d'Édimbourg à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Ainsi que, The Patriarch, en élogie par le poète lauréat Simon Armitage. L'élégie est partagée sous forme de vidéo sur la page Twitter de la famille royale. Le poète Simon Armitage lui-même a lu le poème avec un fond musical joué au piano. Le montage vidéo est constitué par de magnifiques photos noires et blancs retraçant la vie du prince Philippe. On peut également y voir des images provenant de son mariage et en rapport avec la naissance de ses enfants. Le poème que la famille royale britannique a partagé sur les réseaux sociaux est un hommage à la carrière militaire du défunt mari de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Un poème déjà partagé lors des funérailles du prince Philippe. Si le montage vidéo partagé le samedi 9 avril 2022 est nouveau, le poème The Patriarch, en élogie a déjà été publié l'année dernière. Effectivement, le poème avait été publié pour la première fois le jour des funérailles du prince Philippe. Rappelons que les funérailles du mari de la reine Elisabeth d'Angleterre ont dû être organisées en petit comité, restriction à cause du contexte sanitaire oblige. Lors des funérailles, la reine Elisabeth s'est retrouvée assise seule dans la chapelle de Windsor. Pour sa part, la veuve du prince Philippe, Elisabeth II a marqué l'anniversaire de la mort du duc en privé, mais elle aurait également prévu un hommage spécial pour l'occasion. Par ailleurs, la souveraine de 95 ans a été présente lors du service d'action de grâce de son défunt mari le 29 mars 2022, malgré son état de santé. La cérémonie s'est tenue à l'abbaye de Westminster où tous les membres de la famille royale britannique ont été présents sauf la famille du petit-fils du duc d'Édimbourg, celle du prince Harry, 37 ans, et de Meghan Markle, 40 ans.